Pancakes, nuggets, beignets, les 12 adolescents reproduisent ce mercredi matin des plats bien connus, mais en version allégée et plus équilibrée. Durant 3 semaines, ces jeunes de 13 à 17 ans venus de toute la France assistent à un programme d'éducation à la santé au terme de Brive-les-Bains. L'objectif, la perte de poids, mais également ancrer de manière durable une bonne hygiène de vie. Et l'atelier du jour se déroule dans la cuisine. On fait des beignets de pommes. Du coup, il faut mettre dans un saladier la farine, la levure chimique, le sucre et la cannelle. Après, on rajoute l'œuf et le yaourt. La pâte là, elle est composée de 10 minutes. Du coup, c'est pour ça qu'on épluche les pommes en même temps. On va devoir les couper en tranches épaisses. Et après, on va faire la préparation des beignets avec l'huile, etc. Et au moins, on a un peu des idées au niveau des recettes qui pourraient être diététiques, etc. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir changer et pas forcément faire que des recettes classiques. Ce que je fais là, c'est des pancakes. À quoi ? À la banane. J'ai trouvé que c'était bien. C'était bien expliqué, c'était simple. Donc c'est des plats qu'on pourrait faire tout le temps. Aujourd'hui, 5 recettes leur ont été proposées. Des idées de repas, de desserts ou d'encas simples, plus légers et qui leur sont familiers. On a utilisé de l'huile de noisette et du cacao. Ça va permettre aussi de faire revenir en souvenir la pâte à tartiner. Pour les accompagner dans leur démarche, 7 diététiciennes sont présentes tout au long des 3 semaines. On les a déjà rencontrés en consultation, donc une consultation de début, et on aura une consultation de fin pour faire un bilan. Et du coup, dans leur programme, ils ont un atelier sur la structure des repas à la cantine, dans les fast-foods, les invitations. Il y a aussi eu un point sur les 5 sens et un atelier sur l'impact des émotions dans l'alimentation. L'alimentation est donc un thème phare de ce programme, tout comme le sport et le bien-être. Chacun des enfants va donc bénéficier durant ces 3 semaines de 72 soins et d'un accompagnement sportif. On a un atelier qui est fait pour... on commence en fait par cet atelier pour voir comment bien bouger et à quoi ça sert. Donc ça, c'est fait par des éducateurs sportifs. Ensuite, donc ça, c'est le prélude en fait à tout ce qui va suivre en termes d'activité physique, puisqu'ils vont avoir 2 séances d'activité physique en groupe par semaine. Et les éducateurs sportifs les revoient à la fin pour voir justement comment ils peuvent améliorer leur activité physique chez eux. Les thermes de Brive-les-Bains accueillent depuis 20 ans des jeunes en excès de poids, mais ce programme existe sous la forme actuelle que depuis 2 ans.